Je me suis réveillé, j'ai perdu mon doudou. Je me suis demandé, mais je l'ai mis où? J'ai regardé en l'air, j'ai regardé par terre, et sur mon étagère, j'ai perdu mon doudou. Un tout petit ouistiti qui s'en venait par ici, voulait s'en aller sur la mer. Les gros ours qui vont se promener, se promener. On va beaucoup dansé et à chaque fois qu'on avancera, il y aura une personne qui va faire il y aura des personnes qui vont faire des choses différentes. Des choses du quotidien. Américain qui regarde de la voiture la nuit étoilée dans un parc. Donc notre vision, nous, c'est comme si on était dans la voiture. On a l'impression d'un plan de ville de haut, tu vois. Du haut. Tu vois, elle est amoureuse. Non, elle est sur son téléphone. Elle est sur son téléphone. Oulala. C'est sa femme. Hein. Dans sa Mercedes. Ah ouais, imagine, déjà. C'est bien. Il va peut-être me regarder, etc. Puisqu'on peut manipuler de cette manière. Il peut y avoir un œil qui bouge. Ou alors le chien, il peut être aussi en ombre chinoise. On ne sait pas encore. Ensuite, il y a le corps du chien qui va passer. On imagine qu'il y a toujours
Voilà, c'est mon bras, vous imaginez que c'est le chien. Et le ici, alors voilà, le chien, il est là. Et là, donc, Madame Bréau fait la queue du chien. Et on va faire la queue du chien. Alors, je pourrais faire comme ça, hein. C'est un peu bizarre. Donc, on va faire le crayon. Alors vas-y, manipule, tu sais, tu sais, d'ailleurs, de savoir le faire. C'est bien de le faire. Ouais, c'est pas mal. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'es à l'aise. Je sais plus, qui était-il là? Bref, là, il y a le chien qui arrive. Il arrive dans ce sens-là. Ça, c'est une chèvre? Sympa. Une vache? Ah, d'accord. Derrière, il y a le poteau toujours en décor. Je fais ça rapidement, voilà. Donc là, je fais ça pour montrer qu'il y a du mouvement. D'accord? Ensuite, on arrive là, c'est comme une bande dessinée. Ensuite, on arrive là, on a quoi? Le zoom sur la main. Non, on a le chien qui a avancé. Et là, c'est légèrement. Il y a la voiture. Il y a pas encore la queue du chien. Voilà. D'accord. Alors pour le coup, moi là, cette fois, j'entends quelqu'un qui marche sur les feuilles. Ah, moi aussi. Il ferme la neige. C'est assez rigolo de se dire qu'on froisse dans du papier et on a l'impression de. Papier froissé, tu peux mettre. Continuez ce que vous êtes en train de faire.
N'oubliez pas de me regarder. Il avait peut-être des dettes à payer et il n'avait pas d'argent nécessaire pour les payer. Le poteau. Il est sale et ne fait pas de bruit. Son toucher est désagréable. Il a l'odeur d'une pièce de voiture. Il a le goût du froid. Il a l'air tout seul. La solitude. Je me demande à quoi il pense et pourquoi il ne dit rien. Il doit penser à la puanteur de la ville. L'arbre est seul dans son monde, car il n'y a pas d'arbre à côté de lui. Des moments où tu t'arrêtais, tu respirais. Voilà. Prendre le temps comme ça. Après, il y a peut-être d'autres textes qu'on va s'amuser à lire très rapidement. Ta, 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 ta. Mais en tout cas, partir de quelque chose où on a le temps, où on respire. Voilà, on sait que la parole, elle passe en tout cas. Une feuille morte marron qui paraît triste. Au toucher, c'est comme du papier dur. Elle a l'odeur de la terre. La feuille ne bouge pas. Elle n'a pas de goût. Le vent l'emporte très loin des villes. Un chat a peut-être joué avec et l'a déchiré, donc il est parti jouer avec une autre feuille. C'est comme du carton. Elle a l'odeur de la terre. La feuille ne bouge pas. Elle n'a pas de goût. Avant, elle était petite. Elle était accrochée à un arbre avec ses sœurs. Puis, elle a vieilli et est tombée. Elle a peut-être vécu des histoires. A-t-elle voyagé à travers les rues, les villes? Un chat a peut-être joué avec elle. Cette feuille a été déchirée, ainsi il l'a quittée. Peut-être la feuille a eu un accident ou quelqu'un lui a marché dessus. L'arbre n'a pas de feuilles,
s'est fait arracher dans la forêt du Rouvray. Je sens quand je le touche, je sens quelque chose de tout doux. C'est de la mousse. Ça fait comme un manteau. Il n'y a pas de feuilles. Je pense que c'est peut-être le vent qui les a décrochées. Il ne peut pas y avoir de texte, c'est juste des ambiances sonores. Et là, il peut y avoir aussi des manipulations pour vous. C'est pas obligé de bouger tout le temps quand il y a le texte. Voilà. Mais là, là, ça va être avec le texte. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'ambiance toute seule. D'accord. Nous, juste pour les autres groupes aussi, on a fait des ambiances visuelles. Mais le notre problème, je ne sais pas quel est votre problème, mais notre problème, c'est l'exécution, la fabrication qui dure longtemps quand même. Il y en a qui n'ont pas fini, ils ne manipulent pas beaucoup sous la caméra, on ne sait pas trop ce que ça donne. Et nous, on n'a pas tellement fait de transition non plus, hein, les gars. D'accord ? Donc, voilà, c'est ça. Et on n'a même pas écouté ce qu'ont fait les autres. C'est vrai, on n'a même pas pu se déplacer, c'est terrible. Là, on était dans le rangement, on est un peu dans des tâches matérielles comme ça, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour nous. Donc là, vous faites un effort d'écoute. Et dans votre tête, vous faites défiler ce que vous auriez pu faire, ce que vous avez pu faire. Vous essayez de le faire défiler, comme si vous aviez le visuel. Sachant qu'on n'est pas obligé de tous travailler tout le temps en même temps. Il y a des moments où il n'y aura pas de texte et il y aura bien la mime, des moments où il y aura du texte, pas de la mime, et des débroutages et pas de texte. Vous passez à la transition avec la route. Là, il y a le texte qui est écrit. Voilà. On dit que le texte est écrit, voilà. C'est pas du tout. Hein? Métro, salle de cou, télévision, égout, fleur, poubelle, paix, d'odeur, janelle, oiseau, robuchon, piéton, stop, musique. Ancien magasin de jouets en bois, où j'ai choisi la peluche de mon petit frère. Remplacé maintenant par un magasin d'immobilier. Ou alors, c'est vraiment. Une porte qui attend que quelqu'un vienne ouvrir pour que avec elle faire le contrôle. Partir loin dans la ville et revenir, se promener, écouter le bruit du vent, sentir l'air naturel. Explorer le monde inconnu, je découvrirai un mystère si je l'aime, certainement. Par contre, si tu veux sortir, tu ne pourras plus y rentrer, car tu seras fermé à toi. Là-bas, vélo, feu rouge, voiture, chambre, rire. Ancien magasin de jouets en bois, où j'ai choisi la peluche de mon petit frère. Remplacé maintenant par un magasin d'immobilier. Vous l'ignorez, mais ce magasin me faisait penser à mes souvenirs d'enfance.